Tag und herzlich willkommen zu der Konferenz Green Deal, Chance oder Herausforderung für die Industrie. Bonjour et bienvenue à la conférence Green Deal, Opportunité ou Défi pour l'Industrie. Ce web-débat est organisé par la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, avec le soutien de la ZALB et son pôle franco-allemand. Moi, je suis Alexandra Seidelauer, je fais partie de la Chambre franco-allemande et j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les prochaines 90 minutes. Il y a une traduction simultanée et vous pouvez choisir votre canal de langue française ou allemand sur les compteurs en bas de votre écran. Alors, mesdames, messieurs, face au dérèglement climatique, la grande majorité des acteurs politiques et économiques ont aujourd'hui compris la nécessité de prendre des mesures pour une transition écologique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais pourtant, l'augmentation des prix de l'énergie que nous observons ces derniers mois met en suspens un peu les trajectoires de décarbonisation. Mais la transition écologique et la transition énergétique a un coût, car elle nécessite de passer d'une énergie bon marché à une énergie plus coûteuse. Et alors, quels sont les outils pour accélérer cette transition énergétique? Comment les entreprises s'engagent déjà? Parce que le Green Deal n'est pas nouveau. Est-ce qu'un renforcement de la coopération entre la France et l'Allemagne est nécessaire? Mesdames, messieurs, ce web-débat aujourd'hui offre aux politiques et aux entreprises des deux pays une plateforme d'échange des approches stratégiques. Et pour commencer, c'est le tour de Guy Mogis, le président de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Bonjour, Monsieur Mogis. Merci, Alexandra. Mesdames, messieurs, je ne peux commencer sans souhaiter une bonne année 2022 à tous les participants et nous sommes heureux de vous retrouver pour ce premier événement de l'année. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement tous les orateurs qui nous ont fait l'honneur de partager leurs convictions avec nous ce matin et qu'Alexandra vous présentera en détail un peu plus tard au cours de la réunion. Et je voudrais aussi saluer Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur Hans-Dieter Lucas, qui est toujours fidèle à nos événements. Et bien sûr, nos sponsors, la Landesbank Saar et le pôle franco-allemand. Merci, Monsieur Eloy, merci, Monsieur Hess. Comme l'a dit Alexandra, nous sommes à un moment charnière de la transition écologique. Plus personne ne nie les effets dramatiques du réchauffement climatique. La Commission européenne, avec le Green Deal, a affirmé une cible de neutralité climatique d'ici à 2050 et a fixé des objectifs de réduction des émissions nettes extrêmement ambitieux d'ici à 2030. Le défi qui s'ouvre à nos entreprises est celui d'atteindre ces objectifs. Et nous savons tous que ce sera difficile et que ce sera coûteux. Il nous appartient de mettre en place de façon massive des solutions connues, mais aussi de développer et mettre au point de nouvelles solutions. Nous sommes aussi conscients qu'il y a là une opportunité historique de prise de leadership industriel et technologique face aux États-Unis et à la Chine sur ces sujets majeurs. Et qui mieux que les entreprises allemandes et françaises pour relever ce défi européen? C'est dans cet esprit que nous avons voulu apporter notre pierre à cette question fondamentale en organisant ce premier débat de l'année. Celui-ci s'inscrit tout naturellement dans le cadre de la semaine de l'amitié franco-allemande qui marque la signature du traité de l'Élysée le 22 janvier 1963 et celle du traité d'Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019. Nous savons tous que nos cultures et nos croyances en matière de mix énergétique divergent fortement entre la France et l'Allemagne, notamment quand il s'agit du nucléaire, sujet que l'on évite quelquefois pour éviter de se fâcher lors de rencontres amicales. Cependant, et c'est là tout l'esprit du traité, c'est par un dialogue renforcé que l'on peut surmonter ces différences, trouver des compromis fructueux pour tous. Je fais aussi le souhait que cette année, qui s'ouvre par la présidence française du Conseil de l'Union européenne, soit une opportunité pour favoriser ce dialogue et la convergence des points de vue. J'espère aussi que des rencontres comme celle de ce matin vont y contribuer. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour cette webconférence qui sera, je n'en doute pas, passionnante. Merci. Merci, Monsieur Mogis.
Comme vous avez bien évoqué, ce webdébat s'inscrit dans la semaine de l'amitié franco-allemande. Vous avez bien dit, le 22 janvier 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont donné un nouveau souffle à l'amitié entre les deux pays. Ils ont signé le traité Aix-la-Chapelle pour une concertation et une coopération renforcée dans beaucoup de domaines et entre autres la transition énergétique. Et cette transition énergétique est aussi une priorité de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le gouvernement français, avec Barbara Pompili, la ministre française de la transition écologique, souhaite établir une véritable souveraineté écologique de l'Europe. Une première réunion sur ce sujet a été organisée à Amiens du 20 au 22 janvier et 46 ministres de l'écologie et de l'énergie ont discuté la décarbonisation de l'économie, la protection de la biodiversité, la lutte contre les pollutions et le développement de l'économie circulaire. Autour de ces sujets, nous écoutons maintenant une vidéo de Barbara Pompili, la ministre française de la transition écologique. Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être en direct avec vous aujourd'hui pour ce rendez-vous, mais je tenais à vous adresser ce message. Car le pacte vert, ou Green Deal, est à mon sens le projet européen majeur de ce siècle. C'est un projet progressiste, ambitieux et inclusif, à même de fédérer tous les Européens. Et dans la mise en œuvre de ce pacte vert, l'Allemagne et la France ont bien sûr un rôle de premier plan à jouer. D'abord parce que nos deux pays l'ont voulu et inspiré. Ensuite, parce que nous avons veillé à maintenir le niveau d'ambition au moment de la crise sanitaire en 2020. Nous avons notamment plaidé pour que le pacte vert soit au cœur du plan de relance européen avec succès. Alors je suis confiante sur notre capacité de nos deux pays à être moteurs pour concrétiser le pacte vert. J'ai eu de nombreuses occasions de constater, notamment lors de conseils des ministres franco-allemands, que nos deux pays partagent l'approche et les objectifs du pacte vert. J'ai eu le plaisir d'échanger avec mes nouveaux homologues depuis leur nomination en décembre et je constate cette même volonté de faire du pacte vert une priorité de premier plan. Alors, comme vous le savez, la France vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Vous pouvez compter sur nous pour être entièrement investis afin de faire avancer les propositions majeures du pacte vert. Et je sais pouvoir compter sur l'Allemagne pour porter haut notre ambition climatique et environnementale. Plus précisément, je souhaiterais insister sur quatre domaines prioritaires de notre présidence en matière d'environnement et de climat. Notre première priorité est bien sûr l'accélération de la décarbonation de l'économie pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Nous allons avoir la responsabilité, sous notre présidence, de faire progresser des propositions phares du paquet Fit for 55, comme la réforme du marché du carbone ou le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Le second domaine que nous souhaitons faire avancer concerne la protection de la biodiversité. Je souhaite notamment que l'Union donne des signaux forts pour lutter contre la déforestation importée, qui est une préoccupation majeure et ancienne de la France comme de l'Allemagne. Le troisième grand chantier sera d'accélérer la transformation du modèle économique européen pour le rendre circulaire et durable. Nous avons l'opportunité de progresser sur la réduction des emballages plastiques et la durabilité des produits. L'impact de nos politiques nationales peut être largement démultiplié si l'Union européenne tout entière s'empare de ces enjeux. Enfin, quatrième et dernier chantier, réduire l'impact des produits chimiques. Car chaque citoyen de l'Union européenne a le droit de vivre dans un environnement sain. Nous devrons donc, notamment, faire avancer le débat sur le renforcement des mesures de protection contre les perturbateurs endocriniens. Mesdames et messieurs, le chantier qui nous attend, allemand, français et européen, est majeur. Il s'agit de contribuer à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone. Mais ce défi collectif peut aussi être une opportunité pour renforcer le plus beau de nos projets communs, le projet européen. Je vous remercie. Moi, je trouve, on sent l'énergie de la ministre et beaucoup des projets. Telle était l'intention du gouvernement français et maintenant côté allemand. Alors, le ministre de l'économie et de la protection du climat, Robert Habeck, a présenté la semaine dernière le bilan initial du gouvernement allemand concernant la protection du climat. Et
L'Allemagne est en retard dans la protection du climat. Les objectifs climatiques dans les différents secteurs ne sont pas atteints, y compris ce qui concerne le développement des énergies renouvelables et l'extension du réseau. Alors le ministre Robert Habeck estime que sans nouvelles mesures, l'Allemagne aura du mal à atteindre la neutralité carbone en 2045. Alors des mesures immédiates ont été annoncées pour combler le retard et nous écoutons maintenant à ce sujet Dr. Franziska Brandner, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral allemand de l'économie et de la protection du climat. Bonjour, Madame Brandner. Bonjour. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci à la AHACA d'organiser cet échange entre nous. Et je pense, comme Barbara l'a dit, c'est clé d'avoir un dialogue franco-allemand sur les prochaines étapes à prendre. Et j'aimerais bien vous montrer un peu ce que nous avons prévu dans les mois et les années à venir. Mais d'abord, permettez-moi de dire à quel point je suis attachée à l'amitié franco-allemande, au traité d'Élysée et celui d'Aix-la-Chapelle, parce que je suis convaincue que sans la coopération franco-allemande, rien ne marche en Europe. C'est clair que ça ne suffit jamais, mais sans une entente franco-allemande, on arrive toujours à terme à des complications et à des blocades qui sont difficiles à surmonter sans un accord franco-allemand. Et si on a besoin de dialogue, de procédure franco-allemande, ce n'est pas parce qu'on est de toute façon toujours du même opinion. C'est tout à fait parce que souvent, nous arrivons de points de vue différents et que nous devons arriver à les surmonter, à trouver des compromis ensemble. Et c'est pour ceci que moi, je suis très attachée aussi au traité d'Aix-la-Chapelle, à la nouvelle Assemblée parlementaire franco-allemande, qui fait un vrai travail de rapproche, par exemple dans le secteur de la défense, où on sait qu'on a des différences historiques, politiques entre nos deux pays. Sur la question que nous avons aujourd'hui devant nous, nous avons deux axes que nous visons en ce moment. L'une, c'est bien sûr le niveau européen. Barbara vient de le dire avec le Green Deal, le Fit for 55 package, qui est sur la table depuis un moment et sur lequel nous sommes en train de finaliser le positionnement pour chaque dossier du gouvernement allemand pour entrer très rapidement dans les négociations avec le Conseil. Et je pense que c'est bien que la présidence française de l'Union européenne a mis une vraie priorité sur ces dossiers-là. Du coup, nous avons convenu dans l'accord de coalition de l'Allemagne que nous allons soutenir le paquet de Fit for 55. Et maintenant, au détail que nous sommes en train de réaliser et après d'introduire dans les négociations. Le deuxième volet, qui est bien sûr lié, mais qui est quand même aussi important, c'est un plan, on l'appelle le plan de Pâques et le plan de l'été pour vraiment lancer les investissements, la facilitation des procédures, de l'infrastructure, etc. pour les nouvelles énergies renouvelables, parce qu'on a un retard, c'est évident. Et il faut qu'on rattrape et qu'on met un extra package, qu'on se dépêche. Du coup, ça, c'est tout un paquet qu'on est en train de préparer qui doit aller au Parlement autour de Pâques et le prochain autour de cet été. Et en même temps, nous travaillons bien sûr aussi sur le volet efficacité énergétique et les nouvelles procédures, les nouveaux produits industriels qui vont être l'avenir de nos entreprises. Ce que je pense, et vous l'avez bien dit aussi, qu'il n'y a pas juste des risques dans cette transformation, mais surtout des chances à prendre. Et nous essayons de faciliter, de donner le cadre réglementaire qui favorise ces technologies et qui les soutient pour que ces technologies européennes soient à la hauteur de la demande du global et qu'elles soient à la hauteur aussi du bien-être de notre société européenne. Et je pense que ça, c'est un processus qui va en parallèle et qui est aussi important
au niveau européen avec les projets industriels, les IPCEI, etc., qu'on est en train de mettre en place, de développer davantage pour que ça soit un projet européen industriel à la hauteur de la tâche qui est très, très grande. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des entreprises européennes, françaises, allemandes, qui sont aussi, bien sûr, en ce moment heurtées par des conflits géopolitiques, soit avec la Russie, l'Ukraine, autour des prix du gaz, l'énergie, mais aussi la question de la Chine. Et j'espère qu'on arrivera ensemble à diversifier les marchés d'importation et d'exportation et qu'on arrivera à avoir une économie vraiment protégée dans le sens qu'elle ne soit pas aussi vulnérable aux attaques extérieures sans qu'on se découple du monde extérieur. Et ça, c'est ce qu'on a défini dans le contrat de coalition en termes de stratégie, souveraineté stratégique de l'Europe. Et ce n'est pas tout à fait 100% d'être autonome, parce qu'on n'y croit pas, mais en même temps, c'est l'objectif d'être plus résilient, d'avoir plus de capacité d'action et d'être moins vulnérable et avoir la main haute pour les technologies du futur. C'est un grand projet et je pense que sur ces projets, on va travailler ensemble intensément avec la France, avec vous, les entreprises, parce qu'on a besoin de vous, de vos idées, de vos projets et aussi de la coopération au niveau européen. Voilà quelques idées, quelques pistes sur lesquelles on est en train de travailler et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble. Merci beaucoup, Dr. Prandtma. Alors, je dois dire que moi, et je suis sûre, les autres sont très impressionnés par votre niveau de français. C'est très bien d'avoir une politique de haut niveau qui parle français aussi pour promouvoir la langue française et de l'apprentissage en Allemagne. On doit tous œuvrer pour cela. Mesdames, Messieurs, nous avons entendu que le gouvernement français veut placer la protection du climat au cœur de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et l'homme clé pour cela au Parlement européen est Pascal Canfin. Il est eurodéputé et président de la Commission environnement du Parlement européen. Monsieur Canfin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et dans un grand entretien avec le quotidien allemand La FAZ, Frankfurt Allgemeine Zeitung, la semaine dernière, vous avez partagé votre vision des enjeux du paquet climatique européen en cours de négociation. Et nous sommes très contents que vous êtes là aujourd'hui pour partager votre vision avec nous aujourd'hui, Monsieur Canfin. C'est à vous. Merci beaucoup. Et j'espère que mon français sera aussi bon que celui de Francisca. Ce qui est certain, c'est que mon allemand ne le sera pas aussi bon que le sien. Donc, je vais continuer très modestement, mais de manière plus efficace en français qu'en allemand. Effectivement, on est à un moment de l'histoire européenne avec le Green Deal où nous faisons des choses à la fois inédites par rapport à ce que nous avions fait avant et inédite par rapport à ce que tous les autres font. Et comme on met en place des premières mondiales, on est les seuls à mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on est les seuls à avoir un prix du carbone à 80 euros la tonne de CO2, on est les seuls à avoir à l'échelle continentale un standard de zéro émission pour les voitures en 2035, etc., etc. Donc, on est en train d'écrire l'histoire. Et comme tous les front-runners, comme tous les pionniers, il y a à la fois une extraordinaire opportunité parce qu'on défriche des choses que personne n'a jamais fait et en même temps, évidemment, des risques et la nécessité d'essayer d'avoir un Green Deal qui soit le plus stable possible pour les entreprises et qui soit le moins contradictoire possible parce que, encore une fois, on change, j'ai eu l'occasion de le dire aussi dans l'entretien que vous faisiez référence, auquel vous faisiez référence, on change plus de 50 lois en même temps, 50 lois en même temps en Europe, ce qui est une trace très claire de démonstration du caractère inédit du Green Deal. Je vais revenir après sur certains d'entre eux. Je partage totalement ce qu'a dit Francisca sur le caractère incontournable de la coopération entre l'Allemagne et la France sur ces sujets comme sur d'autres. Ça ne veut pas dire que l'accord qui est trouvé entre la France et l'Allemagne est forcément
l'accord final à 27, mais s'il n'y a pas d'accord entre l'Allemagne et la France, ça rend les choses forcément beaucoup plus compliquées. Et je prononcerai le mot taxonomie pour ne pas développer nécessairement ici et maintenant, mais on voit bien que quand il y a un désaccord sur un sujet profond entre la France et l'Allemagne, ça déstabilise l'ensemble du système. Inversement, et je crois que si on regarde les quelques mois qui viennent de s'écouler, on a réussi avec chancelière Merkel, avec l'ancien gouvernement allemand, à faire le plan de relance historique, 750 milliards d'euros. Et s'il n'y avait pas eu cet accord entre le président Macron et la chancelière Merkel au printemps, il y a 2 ans, qui a ensuite donné lieu à l'accord historique sous présidence allemande pendant les fameuses 4 jours et 4 nuits de Conseil européen, s'il n'y avait pas eu cet accord franco-allemand, je pense qu'on n'aurait pas réussi à générer l'accord à 27. Et donc, c'est un très bon exemple de bonne coopération et d'impact de cette coopération à l'échelle continentale pour écrire quelque chose, encore une fois, d'historique, puisque on sait très bien le plan de relance que nous avons mis en place et était une première du genre. Donc, quand on raisonne sur le Green Deal, je pense qu'il faut avoir au moins 2 éléments en tête, l'élément réglementaire et l'élément financier. L'élément réglementaire, ce sont ces dizaines et dizaines de lois que nous sommes en train de changer, parmi lesquelles il y a le fameux paquet Fit for 55 auquel vous avez fait référence, et dans lequel il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on négocie les points d'accord entre la France et l'Allemagne, parce que, comme le rappelait Francesca, les points de départ peuvent être différents. Je pense par exemple au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est évident que la France regarde d'abord l'enjeu des importations et de la lutte contre la concurrence déloyale liée au fait que nos industries payent 80 euros la tonne de CO2 quand ceux qui importent depuis l'extérieur vers le marché européen payent zéro, s'ils payent zéro dans leur pays de production. Alors que l'Allemagne, extraordinaire machine exportatrice, regarde d'abord l'enjeu des exportations. Et sa priorité, c'est de mettre en place un mécanisme qui ne pénalise pas les exportations allemandes dans le reste du monde. Et donc, on voit bien que là, on a de points de départ, je dirais, économiques et politiques qui sont différents. Et j'espère qu'on va trouver un accord sur ce sujet. Nous avions une réunion de travail avec Francesca la semaine dernière pour avancer dans cette direction. Un autre exemple sur lequel il faut absolument que nous parvenions à un compromis entre nous, c'est l'extension du marché du carbone, ou plutôt la création d'un nouveau marché du carbone sur les particuliers et les routiers et les bâtiments commerciaux. L'Allemagne y est historiquement très favorable, la France y est historiquement très opposée. Et l'Allemagne y est très favorable pour une raison assez simple, c'est que ce type d'outil permet de diminuer la pression sur le secteur industriel et, par construction, tout ce qui fait peser la pression sur le secteur industriel fait de manière disproportionnée faire la pression sur l'Allemagne, puisque la part de l'Allemagne dans l'industrie européenne est massive. Inversement, tout ce qui fait porter la pression sur d'autres secteurs, par exemple les conducteurs de voitures individuelles, fait moins que proportionnellement faire la pression sur l'économie allemande, puisque l'Allemagne a une part de l'industrie et une part des exportations infiniment supérieure au reste de l'Europe, mais il n'y a pas 5 voitures par habitant en Allemagne contre une ailleurs. Il y a des voitures plus grosses en Allemagne, mais il n'y a pas non plus une disproportion de la possession de voitures en Allemagne. On voit bien que selon qu'on joue sur un levier ou un autre dans le paquet climat, ça dessert ou ça sert plus naturellement, plus spontanément les intérêts d'un pays ou d'un autre en fonction de la structure de son économie. Et je pense qu'il faut mettre ça sur la table. La pire des choses entre nous, surtout dans un contexte d'amitié et de personnes bienveillantes à l'égard de la coopération franco-allemande, ce qui est le cas aujourd'hui, bien évidemment, il faut mettre ces sujets sur la table. Parce que si nous ne les mettons pas de manière politique, sereine, on n'a aucune chance de trouver les compromis. Et donc, on pourra, si le sujet vous intéresse, on rentrera dans le détail, on pourra bien évidemment, et Francesca et moi, en parler plus dans le détail. Et puis, peut-être pour conclure, le deuxième gros pilier de ce qu'on est en train de faire avec le Green Deal, qui là aussi nécessite un accord franco-allemand. Le deuxième gros pilier, c'est le plan d'investissement. Puisque vous pouvez mettre en place des nouvelles réglementations, et il faut le faire bien évidemment, c'est ce qu'on fait, mais il faut à côté un enjeu
d'accompagnement de ce choc d'investissement privé que nous allons générer avec le prix du carbone, avec les règles sur les voitures ou d'autres dispositifs, il faut l'accompagner avec une capacité d'investissement public pour faire levier, dérisquer cet investissement privé. Et là, on a eu le sujet du pacte sur le plan de relance, je n'y reviens pas, mais on a maintenant devant nous, tout le monde le sait, la question de la réforme du pacte de stabilité. Est-ce que la France souhaite, et c'est une priorité absolue du président de la République, et c'est pour ça que nous allons mettre en place un sommet le 10-11 mars à Paris, spécifiquement consacré à ce sujet et à la stratégie économique et d'investissement européenne, qui est de dire comment on met les bonnes règles du jeu entre nous pour qu'on s'assure de notre capacité à investir autant que nous devons le faire pour être aligné avec l'accord de Paris et la neutralité climat 2050, voire 2045 en année. Et maintenant, on commence à avoir des données suffisantes qui ont été documentées par la Commission européenne qui nous permettent de savoir de quoi on parle et de combien on a besoin en plus. Et la grande nouveauté, et je conclurai là-dessus, c'est que j'ai le sentiment avec cette coalition nouvelle en responsabilité à Berlin que nous avons, je crois que c'est clair, largement accueilli de manière positive à Paris, à Bruxelles et Strasbourg, ça a été de dire bien, il faut qu'on se mette d'accord sur la façon dont on va permettre ce choc d'investissement d'arriver, encore une fois, public et privé. Et la nouveauté, c'est que l'Allemagne a aussi besoin de ce surinvestissement dans l'économie et que quand je regarde le contrat de coalition, il y a des outils nationaux, la KfW qui va être utilisée différemment, ça c'est la politique domestique allemande, mais il y a aussi la nécessité d'avoir des règles budgétaires européennes plus intelligentes. Et je crois que nous n'avons jamais été aussi proches dans notre point de départ sur ce sujet, qui est historiquement un sujet où la France et l'Allemagne peuvent avoir des vues différentes, on n'a jamais été historiquement assez proches du fait d'avoir la soutenabilité financière d'un côté et la capacité d'investissement dans la transition écologique de l'autre, et que c'est ça l'enjeu. Et je crois que si en franco-allemand, dans les deux mois qui viennent, d'ici le 10 mars, on arrive à progresser dans notre convergence en stabilisant bien le nouveau pacte de stabilité ou le nouveau semestre européen sur ces deux jambes, soutenabilité sur le plan budgétaire et capacité d'investissement supplémentaire dans la transition écologique, on aura préparé le terrain pour la proposition de la Commission européenne qui viendra juste après. Et je crois que c'est une de nos très, très grandes priorités dans le couple franco-allemand. Merci beaucoup. Fixer les éléments réglementaires et le plan d'investissement pour accompagner vraiment les entreprises pour la transition écologique dans le franco-allemand, ça, c'est votre chemin. Merci beaucoup. Avant d'écouter les entreprises, nous allons impliquer notre audience avec un sondage. Mesdames, Messieurs, merci de votre participation nombreuse aux questions qui s'affichent ici. Selon vous, le Green Deal est-il plutôt une opportunité ou un défi pour l'industrie? Ist der Green Deal eher eine Chance oder eine Herausforderung für die Industrie? Qu'est-ce que vous en pensez? Une opportunité? Une chance, un défi, une herausforderung, ni une chance, ni un défi, une évolution nécessaire, weder chance noch herausforderung, sondern eine notwendige Weiterentwicklung. Wie ist Ihre Meinung? On attend encore quelques secondes. Peut-être on peut afficher le résultat. C'est un peu mitigé. 47% pensent que c'est une opportunité, une chance, et 25% un défi, et 28% ni chance ni un défi, mais une évolution nécessaire. Mesdames, Messieurs, merci de votre participation. On va maintenant faire le tour et écouter des entreprises. Je souhaite la bienvenue à Doris Bierkofer, qui est présidente de Siemens France et CEO de Siemens Smart Infrastructure France. Bonjour. Bonjour. Anne-Laure de Chamard, qui est CEO Engie Solutions International. Bonjour, Madame de Chamard. Bonjour. Frank Eloy, membre du comité de direction de la Landesbank Saar. Guten Tag, Herr Eloy. Bonjour. Herr Eloy? Sie müssen Ihre Kamera und Ihr Mikrofon noch, ja genau. Bonjour. Hallo.
Et Philippe Girard, directeur général de Remondis France. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour à tous. Oui. Alors, l'Union européenne invite chacun à considérer la protection du climat comme une chance pour l'économie. Le Green Deal impose des exigences élevées aux entreprises, mais celles-ci ne sont pas nouvelles. Hein. Ça fait déjà quelques années que les entreprises ont commencé à les mettre en œuvre. Et c'est le moment aux entreprises de témoigner. Je souhaite commencer ladies first. Quelle importance et quel impact a le Green Deal pour, par exemple, Siemens, Madame Birkhofer? Bon, encore une fois, merci pour la possibilité de participer dans cette table ronde. Peut-être juste un petit rappel, je pense que tout le monde connaît le nom Siemens, mais peut-être pas forcément toutes les activités dans lesquelles nous sommes actifs. Donc aujourd'hui, Siemens se focalise sur trois activités, c'est le transport, l'industrie et le bâtiment. Donc ce sont trois secteurs pour lesquels la transition énergétique est bien évidemment un enjeu majeur et pour lesquels nous proposons d'un côté des produits et des solutions, mais de l'autre côté aussi les solutions digitales pour répondre à ces défis. Donc, par rapport à notre engagement autour du Green Deal, il ne date pas d'hier. Siemens était, je pense, la première société internationale qui, après la signature de l'accord de Paris, a pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Donc, aujourd'hui, nous sommes à peu près mi-chemin, 54% des émissions de CO2 ont déjà été réduites à travers des mesures d'utilisation du système énergétique décentralisé, l'utilisation d'énergie verte et autres. Mais on ne s'est pas arrêté là. En 2022, Siemens s'est donné un nouveau cadre de développement durable dans un sens plus large qui s'appelle Degré, qui a aussi deux volets autour du sujet du Green Deal. Je dirais c'est la décarbonation et l'efficacité de ressources, avec un objectif qui va plus loin, vraiment d'atteindre la neutralité de carbone pour toute notre chaîne de valeur d'ici 2050. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que le Green Deal est une opportunité, une nécessité? Pour nous, c'est un peu les deux. Je pense qu'une entreprise européenne ne se peut plus se permettre de ne pas faire partie de cette initiative parce que ça va aussi poser des enjeux autour de la réputation pour les clients, pour les investisseurs, aussi une question de marque employeur et à terme, on va aussi se voir exclu de certains appels d'offres. Donc, pour nous, en tant que société technologique, une opportunité énorme, mais aussi une obligation. Merci, Madame Birkhofer. Alors, le Green Deal et les défis pleinement intégrés chez Siemens. Madame Deschamard, quel impact a le Green Deal sur ENGIE et surtout International Solutions? Alors déjà, en fait, ENGIE donc, est un gros producteur d'énergie hein, et il faut savoir que ce shift, on l'a déjà fait dès 2016, en fait. On a vraiment décidé de changer complètement notre business model pour faire un virage stratégique et passer d'être le plus gros producteur indépendant d'énergie, essentiellement carboné hein, à l'époque, vers être un acteur moteur de la transition énergétique, donc très en lien avec le Green Deal. On est sorti de 17 milliards d'actifs carbonés et on a tout réinvesti dans le renouvelable et l'efficacité énergétique à travers ENGIE Solutions. Donc, notre modèle économique a complètement basculé et repose vraiment sur les économies d'énergie et de carbone qu'on peut faire à nos clients en les aidant à consommer moins d'énergie et en consommant de l'énergie verte. En 2020, on est même allé encore plus loin. Hein. On a inscrit ça dans notre raison d'être et dans nos statuts. Qui est d'agir pour accélérer la transition vers une économie qui soit neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Donc, pour nous, le Green Deal et puis le paquet Fit for 55, c'est vraiment quelque chose qui vient conforter les choix stratégiques qu'on a pris il y a quelques années pour accélérer la transition énergétique et en faire le cœur de nos activités. On voit qu'ils parlent de relais de croissance comme les énergies renouvelables qui doivent passer à 40%, l'efficacité énergétique. Tout ça, c'est déjà maintenant notre cœur de business model. Et il y a un vrai focus, une attention particulière sur les secteurs
qui sont des secteurs prioritaires pour nous, comme le renouvelable électrique, l'hydrogène renouvelable, tout ce qui est la production de chaleur et de froid renouvelable, le biométhane, etc. Donc, pour nous, tout ça va vraiment dans un sens où on était un des premiers grands acteurs de l'énergie à anticiper, et donc va vraiment dans le bon sens. On pense même que toutes ces mesures que ça va permettre, hein, pour par exemple mieux apprécier le prix du carbone, ça va de révision de l'ETS à la création du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, etc. Tout ça va vraiment dans le bon sens pour nous, parce que ça permettra de donner un cadre très clair pour inciter les entreprises à aller justement vers des solutions décarbonées pour leurs activités, pour financer finalement, permettre à tous les flux d'investissement d'aller investir dans les solutions innovantes qui vont permettre de sortir des solutions fossiles, hein, et de basculer vraiment du charbon vers le gaz naturel et vers les énergies renouvelables. Donc pour nous, le Green Deal va vraiment dans le bon sens. C'est quelque chose sur lequel on travaille déjà et on a besoin de ce soutien réglementaire de poids pour pouvoir continuer nos activités là-dedans et accélérer la transition énergétique. Donc, on pense que c'est quelque chose d'indispensable et qui va nous créer un écosystème vraiment fiable pour pouvoir créer des industries qui émettent moins de carbone et qui émettent des énergies qui soient abordables. Et vous avez commencé déjà en 2016, alors bien avant que le mot Green Deal était apparu. Mais l'avantage de ça, c'est que ça permet du coup de créer quelque chose où tout l'écosystème va dans la même direction et donc d'aller beaucoup plus vite. Oui. Deux entreprises, maintenant on va entendre une banque, parce qu'il y a des beaux projets, mais il faut du financement. Alors, Monsieur Eloy von der Saalb, welche Rolle spielt der Green Deal bei der Saalb? Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ja, welche Bedeutung hat der Green Deal für unser Haus, für die Saalb? Bereits seit Anfang der 2000er begleiten wir als Saalb Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien, anfangs nur in Deutschland, aber bereits seit 2005 in Frankreich. Aktuell haben wir in Frankreich Projekte im Bereich Wind- und Solarenergie in der Größenordnung von mehr als 5 Milliarden Euro. Das sind rund 350 Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von 3,5 Gigawatt finanziert. Was heißt 3,5 Gigawatt? Zum Vergleich, das jüngst stillgelegte Kernkraftwerk in Fessenheim hatte eine Nennleistung von 1,8 Gigawatt. Man kann also sagen, quasi zwei Kernkraftwerke Fessenheim, die wir zwischenzeitlich schon finanziert haben. Unser Marktanteil bei Windfinanzierung in Frankreich ist rund 20%, Photovoltaik knapp 10%. Sehr stolz sind wir auch, dass wir Ende des Jahres unser erstes Projekt im Bereich Wasserkraft in Frankreich realisieren konnten. Finanzierungen im Bereich der erneuerbaren Energien, wenn wir sagen Finanzierungen, das eine ist Green Deal, das andere ist dann Green Finance, das ist dann unser Job, machen aktuell bereits 30% unseres Kundenportfolios aus. Im letzten Jahr haben wir auch erstmals einen Green Bond zur Refinanzierung dieser Projekte im Bereich erneuerbare Energie hinausgelegt. Dieses Jahr wollen wir einen Green Bond zur Refinanzierung von Green Buildings auf den Markt bringen. Und für so ein kleines Haus wie uns mit knapp 15 Milliarden Euro Bilanzsumme finde ich, dass das bereits ein deutlicher CO2-neutraler Fußabdruck ist. Darüber hinaus beschäftigen wir uns natürlich seit geraumer Zeit im Rahmen des Bereiches Green Finance mit Finanzierung im Zusammenhang der Transformation in den klassischen Wirtschaftsbranchen wie Maschinen, Anlage, Bau, Automobilindustrie. Das ist natürlich klar, das ist unsere Core-Disziplin und wir verstehen wirklich Green Deal zum einen als Notwendigkeit, um langfristig unser Geschäftsmodell abzusichern und natürlich auch als Chance. No Green Deal without Green Finance. Herr Eloy, vielen Dank. Monsieur Girard, vous êtes Remondis. Et Remondis, c'est un des leaders mondiaux parmi les prestataires de services pour, entre autres, le recyclage. Alors, le Green Deal, c'est un peu au cœur de vos activités. Racontez-nous quel est vraiment l'impact de ce Green Deal pour vous. Bien sûr, merci. Tout d'abord, je me permets de représenter rapidement l'entreprise Remondis. L'entreprise Remondis est une société familiale, troisième génération aux commandes de l'entreprise.
Nous sommes présents aujourd'hui dans 34 pays, nous employons 38 000 collaborateurs et le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires uniquement dans la partie recyclage. Alors effectivement, pour nous, le Green Deal, c'est un petit peu une évidence puisque nous sommes vraiment au cœur de ce métier, nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Le cœur de notre activité, c'est la collecte, la transformation et le recyclage des déchets. In fine, notre objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone de nos clients. Donc, pour nous, Green Deal matters, c'est sûr, en termes d'importance. Ensuite, je vous ai parlé de l'entreprise familiale et ça a son importance parce que chez nous, la transmission est vraiment très importante. On parle de transmission des savoir-faire, mais on parle aussi de transmission des valeurs. Et très clairement, la préservation de l'environnement est une valeur très forte au sein de l'entreprise Raymondis et de ses collaborateurs. Alors, je prendrai simplement quelques exemples en termes d'impact. Aujourd'hui, d'abord, nous recyclons chaque année 30 millions de tonnes de matériaux, tous matériaux confondus, aussi bien du papier, du verre, du plastique, des circuits imprimés, des téléviseurs. Nous avons à cœur ensuite vraiment de développer des partenariats, et ça a été évoqué tout à l'heure, des partenariats très forts avec nos clients collectivités locales. Pour nous, c'est important, si on veut arriver à développer une économie circulaire durable, c'est important de le faire en concertation avec nos clients collectivités durables, notamment au travers de partenariats publics-privés. Et enfin, dernier exemple sur les énergies renouvelables. Là aussi, Raymondis n'a pas véritablement attendu le Green Deal pour se mettre en action. Le groupe exploite aujourd'hui plus de 30 biométhaniseurs en Europe. Sur ces 30 biométhaniseurs, donc de la cogénération qui produit de l'électricité et de la chaleur, sur ces 30 biométhaniseurs, simplement sur la France, nous en comptons 5 très précisément, qui produisent chaque année 65 gigawatt-heure à la fois d'électricité, qui sont ensuite réinjectés dans le réseau, et 65 gigawatt-heure qui, eux, servent en termes de chaleur à alimenter nos propres bâtiments et nos propres assets. Voilà, je crois que vous l'avez compris, le groupe Raymondis est déjà très, très impliqué dans la démarche qu'on comprend être celle du Green Deal, et surtout, on est très motivés pour être des acteurs de premier plan demain. Merci beaucoup. Vous êtes déjà avec des exemples concrets sur des projets autour du Green Deal. On souhaite revenir à notre audience avec un deuxième sondage. Merci de participer à la question « Les industries ont-elles les moyens d'atteindre les objectifs du Green Deal ?» Mesdames et messieurs, selon vous, les industries ont-elles les moyens d'atteindre les objectifs du Green Deal ? Verfügt die Industrie über die Mittel, um die Ziele des Green Deals zu erreichen? Meinen Sie ja, nein, teilweise, oui, non, en partie? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être encore quelques secondes. Vous pourrez afficher les résultats. 25% pensent que oui, 10% non et en partie 64%. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, une partie. Ça veut dire comment on a besoin, quels besoins ont les entreprises. Peut-être vous pouvez encore citer quelques exemples. Madame Birkova, le sujet Green Deal est très important, mais quel exemple concret pouvez-vous nous donner pour comment Siemens réalise les objectifs et quels projets vous menez en France et en Allemagne? Alors, pour nous, pour atteindre la décarbonation de l'industrie, il y a trois leviers principaux. C'est l'électrification, c'est l'efficacité énergétique et c'est le développement des renouvelables. Et je peux dire, bon, nous avons la chance d'avoir beaucoup de solutions au sein de notre maison que nous pouvons mettre en œuvre chez nous-mêmes et en même temps chez nos clients. Alors, prenons l'exemple de la mobilité, de l'électrification des flottes de voitures. Là, en France, nous avons 2800 voitures, par exemple, qui sont responsables de 11 000 tonnes de CO2. Notre objectif est d'avoir échangé toutes ces voitures avec des voitures électriques d'ici 2030.
Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi l'infrastructure pour charger les voitures. Et là aussi, nous sommes en train de les installer un peu partout sur nos sites. Avec, et là encore, nous avons une offre très complète de bornes de recharge Siemens que vous pourrez aussi trouver, j'espère, de plus en plus sur les autoroutes françaises et allemandes dans les années à venir. Un autre exemple autour de l'efficacité énergétique, je ne sais pas si vous le savez, mais les bâtiments en France sont responsables de 44% de l'énergie et notamment avec un grand enjeu autour des bâtiments tertiaires dont l'État est propriétaire d'à peu près 40%. Nous avons beaucoup d'engagements avec ces acteurs. Par exemple, un contrat de suivi de performance énergétique avec une grande académie dans l'Est de la France, justement pour les aider à optimiser la consommation d'énergie de ces lycées. Un autre, bon, nous travaillons beaucoup avec l'industrie, comme vous le savez. Il y a beaucoup d'efforts dans l'industrie pharmaceutique avec un grand client aussi dans l'Est de la France. Nous avons mis en place un contrat de performance énergétique où nous nous engageons à travers les rénovations énergétiques que nous faisons de les aider à réduire leur empreinte carbone et aussi à travers notre banque interne et aussi l'aide de l'État de financer tout ça justement à travers les économies d'énergie. Un autre exemple est dans le domaine des data centers. Vous savez, les data centers sont extrêmement énergivores. Nous avons des solutions autour de l'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser les systèmes de refroidissement d'un data center et comme ça d'économiser jusqu'à 30% par exemple. Donc, je pourrais continuer avec des exemples comme ça, mais ça montre que les technologies que nous développons aident vraiment à adresser ces enjeux autour du Green Deal et à chaque fois, nous essayons aussi de les mettre en place au sein de notre propre société. Je souhaite rebondir sur la rénovation des bâtiments parce que déjà, vous êtes CEO de Siemens Smart Infrastructure. Je crois que c'est aussi dans le cœur de votre métier, la rénovation des bâtiments pour réduire le gaspillage d'énergie, augmenter l'efficacité énergétique. On a besoin de financement, monsieur Eloy. Je crois que la ZALB elle est aussi active là-dedans. Financement, rénovation des bâtiments. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Sie müssen Ihr Mikrofon anstellen, Herr Eloy. Herr Eloy, Ihr Mikrofon müssen Sie anstellen. Il faut allumer votre Mikrofon. Ja, ja. Excusez-moi. Es war ein kleines Problem mit der Technik. Ja, dass unser Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien und der Refinanzierung hatte ich ja bereits beleuchtet. Und ich darf wirklich gleich das aufgreifen, was Frau Birkhofer, Madame Birkhofer eben gesagt gehabt hat. Nämlich ein klassisches Beispiel bringen aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft, das heißt der Finanzierung im Bereich der Immobilienwirtschaft, im Bereich Green Building. Hier haben wir uns speziell auf dem Markt Paris-Île-de-France auf die Begleitung und Finanzierung von energetischen und digitalen Sanierungen von diesen wunderbaren Objekten, die mitten in Paris liegen, spezialisiert. Das ist wirklich ein Markt, der, Sie kennen alle diese wunderbaren Häuser, der es wirklich erforderlich macht, dass es hier wirklich diese Objekte auch in eine neue Zukunft gebracht werden. In Deutschland konzentrieren wir uns hauptsächlich bei den Neubauten im Bereich Wohnen, Büro und Logistik, aber hier auch klarer Fokus Energieeffizienz. Das hat klaren Vorrang und aktuell konnten wir auch das erste Projekt finanzieren, sinnigsterweise nicht in Deutschland und auch nicht in Frankreich, sondern in Luxemburg, das ein sogenanntes komplettes Passive Building ist. Das heißt, der gesamte Energiebedarf wird aus dem Objekt heraus letztendlich generiert. Heißt für uns ganz klar, dass wir diesen Bereich, dass wir dort schon aktiv sind und auch deutliche Impulse zukünftig dort setzen wollen. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die Transformation
im Bereich der Kernindustrien, die wir bei uns speziell auch im Saarland haben, nämlich Automobil- und der Zuliefererindustrie. Und hier muss ich ein bisschen ausführen, weil die Bedürfnisse, die unsere Kunden haben, die geben uns letztendlich auch das vor, was wir als Produkte, als Green Finance dann gegensetzen. Alle führenden OEMs, so heißen die Automobilhersteller, haben sich dazu bekannt. Wir haben es vorher auch gehört, ab 2030 oder 2035 keine sogenannten Verbrenner mehr zu produzieren. Dies wird den gesamten Automobilbau revolutionieren, aber nicht nur die Antriebstechnik, sondern die gesamte Lieferkette von Antrieb, jeder Stichwort Batterie, aber auch Chassis, alle Einbauteile etc. pp. Müssen zukünftig CO2-neutral werden, denn ansonsten ist das Auto, es nützt ja nichts, wenn es nur einen CO2-neutralen Antrieb letztendlich hat. Green Deal bedeutet somit für die Automobilindustrie, deren Zulieferer, aber auch Serviceunternehmen, bis hin zur Finanzierung, also Green Finance, gewaltige Herausforderungen. Ich will Ihnen das konkret an einem Beispiel, wie die Zukunft aussehen wird, darlegen. Ein Automobilhersteller produziert zukünftig seine Elektroautos in den Automobilwerken, die CO2-neutral sind. Das heißt, das Werk selbst wird ein Passivgebäude sein. Das heißt, auch hier CO2-neutral mit Aufdachung durch Solarkollektoren. Die Zulieferteile, sprich die Batterien, aber auch der Stahl etc. bp. werden just in sequence mit E-Transportern über Schiene, LKWs aus den Batteriewerken, Stahlwerken, die nahe der Automobilwerke angesiedelt sein werden. Auch hier CO2-neutral angeliefert. Gleiches gilt für Scheiben, Sitze etc. pp. Ich habe es eben schon gesagt, das sind sicherlich gewaltige Herausforderungen, die große, auch gewaltige Investitionsprogramme für die OEMs, Zulieferer, Stahlhersteller etc. pp. Nach sich ziehen, bis hin dazu, dass die Geschäftsmodelle einzelner Unternehmen ganz oder sogar teilweise neu entwickelt bzw. validiert werden müssen. Und die SALBE ist natürlich an den Seiten der Unternehmen. Und all dies muss finanziert werden mit Green Finance, sei es in Sachen Green Bonds, Loans. Wir sind natürlich auch Intermediär zu Private Equity Companies. Und wir brauchen, und das ist ganz, ganz wichtig, um diese Transformation zu machen, auch öffentliche Unterstützungsprogramme hier beispielsweise in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen. Aber das ist vorher bereits ja erwähnt worden, dass hier einiges ja in die Wege geleitet worden ist. Genau. Jetzt die Frage an die Politiker. Maintenant la question aux politiques. Vous avez bien dit, Monsieur Helleux. Vous avez besoin de soutien. Alors, Monsieur Canfin, Dr. Brandner, vous avez écouté des entreprises, ils sont déjà actives. Maintenant, deux questions. Alors, qu'est-ce que vous attendez encore des entreprises? Quelles mesures devraient-elles prendre pour avancer plus rapidement? Et aussi, qu'est-ce que, d'autre côté, vous pouvez faire pour soutenir l'industrie en Europe et pour ne pas perdre l'avantage en compétitivité vis-à-vis du reste du monde? Concrètement, qui souhaite commencer? Peut-être je peux commencer, si Francesca en est d'accord, d'autant que je dois vous quitter très rapidement dans les prochaines minutes. Alors, d'abord, merci pour cette opportunité d'échange. Moi, je suis absolument convaincu et je le pratique tous les jours dans mon mandat de parlementaire européen et de président de la commission environnement au Parlement européen. Je suis absolument convaincu que c'est le dialogue entre les entreprises progressistes qui innovent, qui démontrent qu'on peut faire autrement. Vous avez donné des exemples très concrets là sur les bornes de recharge, les bâtiments, la mobilité, les énergies renouvelables, etc. Donc, qui démontrent qu'on peut faire autrement, et les responsables politiques progressistes qui veulent que les choses changent, mais qui veulent que ça change dans la vraie vie, de manière praticable, et vous avez raison, sans que l'on fasse un choc de non-compétitivité européenne, ce qui ferait que nous serions tous perdants, perdants sur le plan climatique, perdants sur le plan de la souveraineté stratégique, géopolitique et bien évidemment, in fine, perdants sur le plan social. Donc ça, c'est le scénario que nous voulons absolument exclure et c'est pour ça que le dialogue entre nous est fondamental. Si je peux me permettre deux, trois éléments très concrets.
Je pense que le mécanisme d'ajustement carbone est un élément aujourd'hui dans la panoplie de la réponse qui permet de dire à une entreprise européenne du secteur industriel, de dire, ben, certes, vous allez payer 80 euros la tonne de CO2, mais si votre concurrent qui importe en Europe ou exporte en Europe, selon l'endroit où on se situe, paye zéro, parce que c'est de l'acier qui vient de Turquie, par exemple, eh bien, le 80 s'applique de façon à avoir un delta et un level playing field. Il ne s'agit pas d'être protectionniste au sens où on ferait payer plus à l'acier, par exemple, importé que l'acier produit en Europe. Ça, ce serait parfaitement incompatible avec l'OMC. Mais il s'agit d'assurer un level playing field pour éviter toute concurrence et dumping climatique. Le deuxième élément, c'est grâce à l'augmentation du prix du carbone sur l'industrie, nous allons avoir une augmentation considérable de la capacité d'accompagnement des industriels qui investissent dans les technologies décarbonées. Je vous donne juste un seul exemple. Aujourd'hui, le fonds d'innovation pour aider les entreprises industrielles à innover dans les technologies décarbonées, c'est 20 milliards d'euros. Avec les propositions de la Commission européenne et le prix actuel du carbone, 80 euros, on passe à plus de 75 milliards d'euros. On va passer de 20 milliards d'euros à 75 milliards d'euros d'argent disponible grâce à l'achat des crédits carbone par ceux qui ne jouent pas le jeu, pour financer l'investissement dans la décarbonation des entreprises pour avoir l'acier zéro carbone, le ciment zéro carbone, etc. etc. Et donc, on est à ce moment-là où, lorsque nous aurons finalisé les réformes dont on parle, et c'est une question de mois, donc c'est pour les entreprises, c'est vraiment du très court terme quand on parle d'investissement en dizaines de milliards d'euros sur des sites de production qui ont une durée de vie de plusieurs décennies. C'est du très court terme. Et ce choc d'investissement, il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver et un des intervenants le rappelait dans le secteur de l'automobile, c'est déjà le cas. Je veux dire, quand on regarde la multiplication des investissements dans la mobilité électrique depuis 2 ans, au-delà des effets d'annonce, hein, mais des investissements réels et notre capacité à avoir fait ça en européen, c'est-à-dire des standards européens, une structure de chaîne de valeur qui se pense de manière européenne, et un bon exemple, c'est l'Alliance pour les batteries. Je trouve très intéressant, il y a 5 ans, on n'était nulle part sur la production de batteries électriques. Je rappelle que les batteries électriques, c'est un objet clé de la transition écologique, que l'on parle énergie, stockage de l'énergie produite par des énergies renouvelables, ou que l'on parle mobilité, voiture et peut-être demain camion. C'est un objet clé. Bien, on n'en produisait pas du tout. On s'est organisé d'un point de vue d'autonomie stratégique, de politique industrielle, d'aide d'État et de création d'un écosystème européen pour mettre en place des investissements très concrets dans la fabrication des batteries. Et on négocie en ce moment même une directive batterie qui accompagne ce mouvement industriel. On a donc un paquet cohérent, résultat des courses. Au regard des investissements qui sont déjà déclenchés, en 2025, on sera le 2e producteur de batteries électriques au monde derrière la Chine. On est passé de rien du tout à 2e mondial en quelques années parce qu'on s'est donné cet objectif stratégique, qu'on a travaillé responsable politique et grands industriels. Et la France et l'Allemagne ont évidemment une responsabilité particulière compte tenu des champions industriels des deux côtés du Rhin sur ces sujets. Donc, on est capable de le faire. Et je crois que c'est un très bon exemple que l'on peut dupliquer sur d'autres objets clés de la transition pour réussir à transformer ce qui est à la fois un défi et une opportunité. Je n'ai pas répondu au sondage parce que, en tant que panéliste, je n'avais pas le droit, mais moi, j'aurais ajouté la quatrième question qui était c'est à la fois un défi et une opportunité. Et la réalité, c'est que les deux sont vrais. Et la réalité, c'est qu'on peut la rater. La réalité, c'est qu'on peut rater cette transition. Et c'est parce qu'on sait qu'on peut la rater qu'il faut qu'on ait très pointu dans le dialogue avec vous, dans la coopération franco-allemande, pour prendre les bonnes décisions qui sont à la fois pertinentes et cohérentes avec cet objectif extraordinairement radical qu'est la neutralité climat, hein, ça n'a jamais été fait par personne, et en même temps la nécessité de le faire par des prises de décision rationnelles qui ne mettent pas des embardés qui seraient parfaitement injustes sur le plan social ou qui seraient totalement anticompétitifs sur le plan industriel. C'est l'ADN de ce que l'on fait en Europe, et je pense que la France et l'Allemagne, sur ce chemin-là, ont bien plus
de points communs et de visions convergentes que de points de désaccord. Monsieur Caffin, merci beaucoup. Non, on ne peut pas rater la transition écologique parce que si on échoue, on va recommencer ensemble. Dr. Prantna, qu'est-ce que vous attendez des entreprises et comment vous souhaitez, comment le gouvernement va soutenir l'industrie en Allemagne et en Europe pour la transition écologique? Oui. Merci beaucoup pour ces points-là. Il y a aussi eu pas mal de questions dans le chat. Du coup, je vais essayer d'y répondre aussi un peu, si vous permettez. C'est comme Pascal et moi, je l'ai déjà dit, c'est un cadre général. Le soutien aux entreprises, c'est la clarté de direction. Moi, je pense que c'est très important de dire c'est ça la vision. Il n'y a pas d'autres objectifs, mais ce sont les objectifs qu'on s'est fixés, le gouvernement avant nous. Nous, on les renforce un peu, mais on les a aussi au niveau européen. Du coup, la direction est vraiment claire, on ne changera plus de direction. Deuxièmement, ce qui est important, c'est un cadre réglementaire qui soutient ceux qui avancent et qui ne pénalise pas ceux qui restent au statu quo. Troisièmement, c'est une speed-up des procédures de planification, au moins au niveau allemand. C'est-à-dire qu'on aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs projets et aussi les projets de l'infrastructure. Quatrièmement, c'est le soutien financier qu'on donne de différentes manières, du niveau européen, national, de notre niveau fédéral aussi, aux entreprises, aux petits, aux plus grands. On essaye de rendre le soutien plus facile d'accès pour les petits. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi pour les startups, d'avoir accès à ces financements. Du coup, ce n'est pas un levier qu'on va bouger, mais essayer de faire ça sur les axes que je viens de définir. Sur la question du CBAM qui a été posée, parce que je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup, c'est clair que l'Allemagne, avec un niveau d'exportation important, a un point de vue un peu différent de la France. Et du coup, il faut trouver des solutions communes qui nous permettent de limiter au max le carbon leakage aux frontières et en même temps de ne pas pénaliser les entreprises chez nous qui exportent dans notre pays. Il y a des options qui sont sur la table, on les regarde et je suis sûre qu'on trouvera une réponse. Sur la question qui a été posée aussi sur le Bauhaus der Zukunft, moi je trouve que ça c'est vraiment une des questions clés, le secteur de l'immobilier en Allemagne et je pense que c'est pareil en Europe. Et c'est Madame von der Leyen qui a lancé cette idée d'un Bauhaus européen. On attend les propositions concrètes, mais je pense que c'est important aussi de continuer dans la voie du recyclage, du ciment, etc. On ne peut pas se permettre de continuer de construire de la manière qu'on l'a fait. Il y a d'autres options et il faut aussi les saisir. Après, il y avait la question sur le hydrogen, le e-fuels, le VANAS. Ça fait plaisir de vous voir, Monsieur Naff. Je pense que le hydrogène, bien sûr, on en aura besoin pour les avions, etc., pour les secteurs clés spécifiques. Mais je suis bien contente que M. Wissing, le ministre de Transport en Allemagne, vient de déclarer, je pense que c'est la semaine dernière, que pour les voitures, mais il n'y en aura pas parce que c'est vraiment juste pas efficace. Du coup, je pense qu'il faut arrêter ces débats un peu idéologiques et de vraiment aller dans le bon sens et de ne plus perdre du temps sur les projets qui ne sont plus compétitifs. On en sait très bien qu'on aura besoin de beaucoup de hydrogène. Il faut le cibler dans les secteurs où c'est vraiment, il n'y a pas d'autres options. Il faut aussi mettre en place l'infrastructure de l'hydrogène. Il faut d'autres interconnecteurs entre la France, l'Espagne, le Portugal, avec l'Allemagne. Il faut créer ce réseau vraiment européen d'hydrogène. Ça va être un projet européen. J'espère qu'on arrivera à le financer d'une manière européenne. Ça va aussi d'ailleurs créer des emplois, je vous le dis. Ce sont des nouveautés technologies à mettre en place. Et l'hydrogène,
C'est un sujet très, très, de très actualité et la Chambre franco-allemande va aussi organiser d'autres conférences sur l'hydrogène. C'est pour ça que je vais rebondir maintenant sur ce que vous avez dit, comment vous soutenez les entreprises dans la transition écologique. Vous avez dit clarté, soutien à ceux qui avancent, speed up, financement pour tous. Monsieur Girard, Madame de Chamart, est-ce que ça vous suffit? Quels sont vos besoins aux politiques? Vous avez ici deux représentants de l'Union européenne, du gouvernement allemand. Qu'est-ce que vous souhaitez d'eux? Qu'est-ce que Engie et Remondis aura besoin? C'est une bonne question. Alors déjà, je m'excuse parce que je crois que ma connexion n'est pas très bonne. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ok, parfait. Notre besoin, mais ça a été dit hein, par les panélistes, on a besoin déjà que les objectifs du package Fit for 55 soient vraiment fixés et consolidés pour que ça envoie des signaux très clairs d'investissement vers les solutions décarbonées. On sait aujourd'hui qu'il y a des choses comme, par exemple, l'efficacité énergétique, etc., ou l'ambition, le niveau d'ambition de certains objectifs en termes de NR qui ne font pas l'unanimité en Europe. Et ça, on espère que ce dispositif de mesure sera adopté rapidement pour vraiment orienter les investissements fortement là-dedans. Alors, une fois fixés ces objectifs, il va quand même falloir qu'on les atteigne. Et donc là, on a besoin d'un cadre européen qui facilite davantage le climat d'investissement. On a besoin que les aides d'État qui sont ciblées hein, vers les solutions de production et de stockage d'énergie renouvelable soient pérennisées, que ce soit un signal qui soit donné de manière forte. On a besoin qu'il y ait un vrai soutien concret financièrement sur les technologies émergentes. On parlait tout à l'heure de l'hydrogène renouvelable. Aujourd'hui, on a des magnifiques ambitions sur le sujet hein, et les ambitions européennes sont vraiment élevées, mais on a besoin de soutien clair et concret pour pouvoir lancer les projets. On a plein de projets dans le pipe en Europe et là-dessus, on a besoin d'aide très concrète pour pouvoir y arriver. Ensuite, le troisième point, c'est le besoin d'un cadre régulatoire qui soit plus clair et plus simple. Notamment, il y a la directive énergie renouvelable qui va bientôt être actualisée. Et par exemple, des sujets tout bêtes, mais le permitting pour pouvoir simplifier, raccourcir les procédures administratives, c'est crucial parce qu'aujourd'hui, on a un tel niveau d'ambition, mais les procédures administratives pour avoir les permis pour pouvoir construire prennent tellement de temps que rien n'avance. On peut citer l'éolien en l'air en France, l'éolien en mer en France et d'autres projets comme ça. Donc, il y a vraiment besoin d'un cadre qui soit plus clair et plus simple pour pouvoir grandir. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi des sujets plus stratégiques sur lesquels on se dit que maintenant, l'Union européenne doit pouvoir aussi se positionner, hein. C'est déjà le sujet de la robustesse du mix énergétique, toute la résilience, puisque avec l'électrification massive, il faut qu'on réfléchisse à comment rendre ce mix énergétique futur résilient pour pouvoir gérer ça. Hein, et ça, ça va conditionner les trajectoires de développement des différentes énergies en Europe, notamment le biométhane, etc. Donc là, on a besoin d'une position de l'Union européenne. Et on a aussi besoin que l'Union européenne nous aide dans la sécurisation de l'approvisionnement des ressources clés comme le lithium, le cobalt, tous les métaux rares pour pouvoir déployer justement ces infrastructures énergétiques renouvelables. Voilà un peu la liste de courses. Oui, la liste de courses, mais je crois, Monsieur Girard, vous faites des projets intéressants aussi pour justement recycler des matériaux pour pouvoir permettre aussi des minéraux rares du recyclage, n'est-ce pas, Monsieur Girard? Ah oui, tout à fait. Ma wishlist sera un tout petit peu plus courte, mais très clairement, pour nous, trois grands axes sont importants. Tout d'abord, l'éco-conception des produits, ça paraît évident, mais ce n'est pas encore complètement généralisé ni formalisé. Et c'est vrai que si on avait un support réglementaire pour aller dans ce sens-là, ce serait absolument génial. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que quand certains emballages alimentaires arrivent sur nos sites pour être retraités ou recyclés, ils sont constitués de plus de 12, 10 ou 12 plastiques différents, ce qui rend le recyclage excessivement compliqué. Donc, je dirais, petit 1, plus d'éco-conception. Petit 2, renforcer le contenu minimum obligatoire. Je crois qu'aujourd'hui, en Allemagne, l'industrie utilise 14% de matières premières recyclées dans sa production.
Si on arrivait à doubler ce chiffre simplement, ce serait 60 millions de tonnes de carbone qui seraient économisées chaque année. Bon, c'est un peu une wish list, mais il y a des choses à faire dans ce sens-là. Et dernier point, la mise en place d'un étiquetage éco-recyclage qui dirait simplement de combien de pourcentage est constitué le produit à partir de combien de pourcentage de matières premières recyclées est constitué ce produit, et simplement en bas de la chaîne qui indiquerait également à la fin de sa vie quel va être le pourcentage de ce produit qui pourra être recyclé à son tour. Voilà, trois exemples très simples, très concrets. Et très, très clairs. Qui nous aideraient. Oui, donc Prabhendra, merci beaucoup. Je sais que vous devrez partir, Monsieur Caffin est déjà parti. Mais c'était important d'être là, d'écouter des entreprises, de aussi vous faire part de la volonté d'avancer au niveau franco-allemand. Peut-être vous souhaitez dire encore quelques mots avant de partir et après on va ouvrir aussi les questions du public. Madame Prandtner. Oui, c'est pour ça que je me suis permise de répondre un peu aux questions du public avant, parce que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je pense que le point clé est aussi de garder les intellectual property pour les nouvelles technologies en Europe. Je vois un peu avec des soucis que quelques grandes plutôt entreprises développent pas mal maintenant ces technologies nouvelles en Chine. Et on a un vrai souci que le IP se resteront après en Chine. Du coup, je pense que là aussi, il y a un dialogue qui est nécessaire entre nous et l'industrie. C'est-à-dire que de garder la propriété intellectuelle, les patents, etc., après chez nous, pour qu'on puisse vraiment en profiter en tant qu'Européens après ces investissements. Et je vous assure qu'on va essayer de trouver le cadre réglementaire ambitieux, mais en même temps faisable pour la mise en œuvre. Mais avec une clarté qui, à mon avis, est nécessaire et le soutien financier, il sera là. C'est plutôt la question qui a été posée aussi dans le chat, qu'il y a beaucoup d'argent qu'il a maintenant pour le corona, pour les prix de gaz, etc. Et j'espère qu'il en restera pour ces transformations. Il faudra se battre, ce n'est pas évident, mais ça va être la vraie question d'avoir suffisamment de fonds pour financer les transformations et pas juste la réaction aux crises plus éminente. Merci, Dr. Prandtner. Merci d'être avec nous, de aussi avoir confirmé votre volonté de coopérer avec la France et aussi M. Canfin l'a souligné. Maintenant, question au public. Encore une fois, un sondage avant de passer aux questions dans le chat. Merci de participer à la dernière question. Malgré leurs différences, pensez-vous que la France et l'Allemagne peuvent être moteurs d'une vraie transition écologique? Le sondage va s'afficher tout de suite pour que vous puissiez participer. Mayam, tu peux mettre là. Voilà. Pensez-vous que la France et l'Allemagne peuvent être moteurs d'une vraie transition écologique en Europe? Glauben Sie, dass Frankreich und Deutschland die treibende Kraft für einen echten ökologischen Wandel in Europa sein können? Oui, la France et l'Allemagne peuvent être moteurs de la transition écologique. Ja, Frankreich und Deutschland können die treibende Kraft für einen ökologischen Wandel sein. Non, il y a trop de différences. Nein, es gibt zu viele Differenzen. La France et l'Allemagne, à elles deux, ne suffisent pas à être moteurs de la transition écologique. Frankreich und Deutschland sind nicht ausreichend. On va afficher les résultats. Voilà, 56% sont confiants. La France et l'Allemagne peuvent être moteurs de la transition écologique. 5% disent non. Et presque 40% disent ça ne suffit pas. Il faut encore beaucoup, beaucoup d'autres pays pour vraiment réunir les forces. France et l'Allemagne peuvent être moteurs. C'est le souhait de la France, de l'Allemagne. On va ouvrir le chat pour les questions à nos panélistes et je demande à ma collègue Tina Vett de demander, de poser des questions du chat. Tina Vett, voilà ma collègue de la Chambre franco-allemande, je te donne la parole.
Merci beaucoup, Alexandra. Bonjour à tous. Merci pour cet échange si intéressant qui a créé beaucoup de réactions dans le chat. Il y avait beaucoup de questions qui ont été posées déjà auprès de M. Canfin et aussi Mme Dr. Brandner qui a essayé de le regrouper déjà. Mais il y a une question qui a créé un peu de discussion dans le chat. C'est pour ça que je tiens à vous le reposer. À quel point ou de quel point en fait, l'industrie est là de la politique pour pouvoir à fond s'investir dans les... On n'a pas très bien compris la question. Désolée. Est-ce que tu peux la reformuler? La question était... Oui. La question, elle était de quoi est-ce que vous avez concrètement besoin pour vous investir dans les mesures nécessaires pour répondre aux attentes du Green Deal? De quoi est-ce que l'industrie, elle a besoin pour bien pouvoir investir? Il y a, dans le chat, il y avait des questions autour de bons cadres politiques, le cadre de stabilité, des assurances sur l'investissement. Qu'est-ce qui sont les axes clés dont vous avez besoin pour agir sereinement dans vos investissements. Monsieur Gérard, je commence par vous. Je vous ai donné trois exemples, effectivement, mais je pense qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui existent déjà, en tout cas dans le domaine du recyclage, un système de bonus-malus pour les produits vertueux qui est déjà mis en place par Citeo sur le marché français. Mais qui ne demande qu'à être élargi en termes d'activité recyclage, on pourrait imaginer des incitations fiscales plus intéressantes et qui globalement donnent plus de valeur au produit qui a une faible empreinte carbone. D'accord. Et donc, du coup, de quoi M. Canfin, il avait parlé de beaucoup de réglementations légales qui existent actuellement autour du Green Deal. Est-ce que pour l'industrie, tout est clair? En fait, est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous savez votre route de marche? Ou est-ce que vous avez des conseils? Parce que c'était vraiment un grand débat dans le chat. Il y avait plusieurs actions là-dessus, réactions là-dessus. Quoi faire? Est-ce que c'est la volonté qui manque des PME? Est-ce que c'est la sécurité qui manque? Qu'est-ce qui freine encore pour complètement se lancer dans cette nouvelle démarche? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame de Chamard? Non, mais peut-être pour compléter ce que je disais tout à l'heure, parce que tout à l'heure, en répondant, c'était vraiment ça. C'était sur la clarté du cadre, sur le côté durable des politiques de soutien, sur l'aide dans justement régulatoire, etc., etc. Mais si on veut donner par exemple des exemples un peu concrets de choses que l'Europe permet de faire, par exemple, grâce au Green Deal, l'ADEME, hein, qui est l'Agence pour l'énergie, a pu avoir beaucoup plus de subventions et que concrètement, elle utilise pour aider les industriels à investir dans leur décarbonation. Et donc ça, on s'est rendu compte de l'efficacité de ça, parce que nous, c'est notre métier, hein, c'est notre expertise, justement, d'aider les industriels à décarboner leur production d'énergie sur leur site. Hein. Et on s'est rendu compte que depuis, justement, que ces moyens ont été mis en place, que le cadre régulatoire a été simplifié et a été repris dans les pays, on a le nombre de contrats de production d'énergie sur site industriel qu'on a avec nos clients qui s'est multiplié par 3 cette année, et qui va encore continuer. Et puisque les industriels ont maintenant l'incentive pour aller décarboner leurs actifs, passer du gaz ou du charbon et les remplacer par de la biomasse ou du solaire. Et ça, on se rend compte que c'est 1,5 million de tonnes de CO2 qui seront en moins grâce à ce type de mesures. On peut aussi citer des grands acteurs du maritime, par exemple CMA, CGM et d'autres, qui ont, grâce justement au paquet Fit for 55 et au Green Deal, sont en train d'accélérer complètement la décarbonation de la flotte et en se disant il faut qu'en 2030, ans plus tard, on soit complètement décarboné. Il y a aussi quelque chose qui démarre et on se rend compte que là, on pourrait avoir encore plus d'incentives par l'Europe, c'est tout ce qui est Green PPAs. Donc, c'est tous les contrats d'achat d'énergie long terme pour pouvoir se décarboner. Et l'an dernier, en Allemagne, pour citer un exemple allemand, on a signé un partenariat avec Google en Allemagne pour s'engager à leur fournir de l'énergie qui venait uniquement du solaire et de l'éolien pour pouvoir complètement verdir tous leurs data centers
et décarboner à peu près 80% des opérations de Google en Allemagne dès 2022 et pour les années qui viennent. Donc, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire, mais pour ça, on a besoin d'un cadre réglementaire, d'un soutien très clair pour que les gens connaissent les règles du jeu et d'un soutien qui soit durable et ciblé. Et tout à l'heure, M. Canfin parlait justement de l'Alliance pour les batteries. Il y a la même chose qui est en train de démarrer pour l'hydrogène. Et là, on a vraiment, pour toutes ces technologies qui sont encore immatures, on a besoin d'encore plus d'aide et d'investissement commun pour pouvoir y arriver entre la France et l'Allemagne. Merci beaucoup. Madame Bierkofer, est-ce que vous aviez encore un point à ajouter à cette question ou à la réaction de Madame de Chamard? Bon, je pense beaucoup a été dit. Au-delà de ça, je pense qu'il est très important, c'est la simplicité et le moins de bureaucratie possible dans tout ça, parce que je pense surtout pour des PME, des petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de staff pour travailler sur les dossiers de subventions et autres, on voit qu'ils arrivent vraiment un peu à la fin de la propre capacité de pouvoir s'y mettre, et en fin du compte, ils ne le font pas du tout. C'est nous, en tant que grande entreprise, je pense que c'est la même chose pour Engie, nous avons aussi donc un devoir de conseil pour nos clients, mais je pense que si le cadre réglementaire pourrait déjà prendre ça en compte dès le début, ça serait très utile. Et un deuxième volet dans tout ça, c'est, et je sais c'est fait en partie, mais à chaque fois que les directives sont retravaillées, de vraiment avoir un dialogue très avancé avec l'industrie autour des nouvelles technologies, aussi des technologies digitales. Il ne faut pas oublier que la digitalisation est aussi une grande opportunité pour nous pour rendre beaucoup des mesures encore plus efficaces. Je prends l'exemple de la EPBD, c'est la directive européenne de la performance énergétique des bâtiments qui maintenant impose par exemple l'utilisation des systèmes de contrôle d'automatisation du bâtiment pour améliorer l'efficacité énergétique. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres choses que l'on peut mettre en place, par exemple un jumeau numérique du bâtiment pour la simulation de la construction, pour l'optimisation de l'utilisation de l'énergie tout au long de du cycle de vie du bâtiment, donc le BIM. Tout ça sont de nouvelles mesures qui peuvent aider encore à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, il faut toujours garder une connexion étroite entre la politique et l'industrie, parce que nous pouvons aussi les conseiller dans ce sens. Et Monsieur Eloy, comme partenaire, als Partner der Veranstaltung, ein letztes Wort von Ihnen, bevor wir dann an Herrn Brandmeier geben für die Zusammenfassung. Okay, ich will mich ganz kurz nur auf den Bereich Ausbau der erneuerbaren Energie beziehen. Wie können wir das erreichen? Schnellere Genehmigungsverfahren, schnellere Abwicklung von Klageverfahren und Einsprüchen, vereinfachte Genehmigungen von Repowering-Projekten. Dann können wir sowohl in Deutschland als auch in Frankreich wirklich den weiteren Ausbau im Bereich Wind als auch Solar nach vorne treiben. Das Thema Green Building ist eben schon angesprochen worden, feste Standards, Anforderungen an Green Building Projekte. Ich würde sogar noch weitergehen. Klare Lenkungsvorgaben, das heißt Verpflichtung von Solarbedachungen auf privaten und gewerblichen Immobilien, verpflichtend für die öffentliche Hand, für die Kommunen, wirklich energieeffiziente Gebäude nur noch zu errichten, Schulen, Kitas etc. bp, bis hin zu dem Thema, dass auch eine Kommune CO2-neutral werden muss. Und nur dann auch weitere Förderungen vom Staat beispielsweise erreichen kann. Das wären so ein paar Themen, die mir wirklich noch am Herzen liegen würden. Danke. Vielen Dank, Herr Eloy. Monsieur Eloy, merci beaucoup. Mais maintenant, je donne la parole à Patrick Brandmeier, le directeur général de la Chambre franco-allemande, pour la conclusion. Merci, Patrick. Ja, vielen Dank erstmal, auch von mir vielleicht erstmal nochmal guten Tag. Und auch natürlich erstmal einen Dank an alle, die ja heute tatkräftig mitgearbeitet haben, auch natürlich an unsere Partner. Ich denke, wir haben hier eine ganz spannende Diskussion auch gehört, hier zwischen Politik, aber auch den Unternehmen. Ich glaube, die Zusammenfassung kann man recht einfach gestalten. Ich glaube, jeder, der heute mit dabei war, hat verstanden, dass der Green Deal sicherlich eine epochale und gewaltige Herausforderung für Europa eben erstmal darstellt und eben hier eben auf Seiten der Politik, aber glaube ich auch auf Seiten der Unternehmen und der Gesellschaft. Ich glaube, der gesellschaftliche Aspekt
der kam hier heute noch gar nicht richtig zum Tragen, weil alles, was wir hier angesprochen haben, was die Unternehmen ja leisten müssen, also hier Stichwort, es sind ja gewaltige Investitionen auch notwendig in neue Technologien, in Infrastrukturen und so weiter, die haben ja nicht nur Einwirkungen eben auf jetzt politische oder wirtschaftliche Strukturen, sondern eben auch die Menschen. Das heißt, die gewaltigen Investitionen, die in den Unternehmen notwendig sind, brauchen ja auch die Menschen, die diese dann wirklich umsetzen. Und ich denke, das ist eben auch ein Aspekt, den wir hier sehen. Zweites Thema, was mir jetzt dazu unmittelbar noch einfällt, ist natürlich auch die gesellschaftliche Sprengkraft vor dem Thema. Wir haben es vom Herrn Confin gehört, on peut rater la transition énergétique. Das heißt, wir können auch scheitern. Und ich denke, das ist auch wirklich ein Aspekt, der hier auch nochmal zum Tragen kam. Ich möchte an einem konkreten Beispiel festmachen, dass es eben nicht nur Länder trifft, die heute normale Energieformen nutzen. In Norwegen, wo beispielsweise 80% der Energie auf Basis von Renewables hergestellt wird, hat sich der Energiepreis im letzten Jahr für einen Privathaushalt verfünffacht. Mhm. Sie können sich also vorstellen, dass wenn Sie in einer wirtschaftlich guten Situationen sich befinden, also selbst eine Verfünffachung ihrer persönlichen Stromrechnung, würde ich jetzt mal behaupten, da wird jeder mal einen zweiten Blick auf seine Stromrechnung werfen. Aber natürlich für einkommensschwächere Haushalte sind das natürlich gewaltige Zahlen. Und wir sehen ja in ganz Europa auch solche Entwicklungen. Es gibt die Prime, die jetzt in verschiedenen Ländern ausgesprochen werden, um eben den schwächeren Haushalten da auch zu Hilfe zu kommen. Und da sehen wir, wie gesagt, auch die Sprengkraft von diesem Thema Energiewende. Und auf der anderen Seite haben wir gehört, was ich glaube ich auch wesentlich finde, das Thema Innovation und Technologie in den Unternehmen wird wahrscheinlich die zentrale Antwort sein, um hier wirklich auch eine Lösung zu finden. Und natürlich ist dazu von staatlicher Seite, das haben wir auch jetzt mehrfach gehört, ein klarer und vor allen Dingen verlässlicher gesetzlicher Rahmen notwendig, dass sich eben die Unternehmen, wenn sie investieren, dann auch auf stabile Rahmenbedingungen, glaube ich, verlassen können. Andererseits muss ich sagen, bin ich recht zuversichtlich, wenn ich mir also die ganzen Lösungen anhöre, die es ja heute schon gibt, wirklich in allen Bereichen der Industrie oder auch der Banken, der Dienstleister, denke ich, sind wir gut unterwegs. Und was mich eben auch sehr zuversichtlich stimmt, wir haben es gehört, der große und enge Schulterschluss zwischen Deutschland und Frankreich, um hier eben wirklich auf Ebene dieser beiden Länder voranzukommen, aber eben auch wegweisend zu sein für die anderen europäischen Länder, dass wir hier wirklich zu guten, verlässlichen Lösungen in Europa kommen. Und wie gesagt, wenn wir, glaube ich, alle hier mit dem Esprit so weitermachen, bin ich überzeugt, dass es uns gelingt. Vielleicht nicht zu 100% im Zeitrahmen, aber auf jeden Fall sind, glaube ich, jetzt alle Beteiligten losgelaufen. Und ich denke, man kann wirklich auch wahrnehmen, wie jetzt wirklich der große Ruck in Europa durch die Firmen und aber auch in der Politik durch die Reihen gegangen ist. Und das, wie gesagt, stimmt mich sehr zuversichtlich. Deswegen jetzt nochmal herzlichen Dank an alle Teilnehmer hier und heute. Und damit zurück wieder zu Alexandra. Danke für die Moderation. Merci beaucoup, Patrick, aussi pour le positivisme. Et comme tu as dit, le Green Deal, la transition énergétique est un sujet phare de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, mais aussi de la Chambre franco-allemande. Et nous allons organiser plusieurs événements autour de cette thématique cette année. Alors, je souhaite attirer votre attention sur notre prochaine conférence. Encore une fois en ligne, elle aura lieu le mardi 29 mars sur le thème de l'efficacité énergétique, levier de la décarbonisation de l'industrie. Et vous aurez l'occasion, encore une fois, de découvrir des experts de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'un 8 entreprises allemandes qui sont à la recherche des partenaires commerciaux en France. Alors, si vous êtes intéressé, des rendez-vous B2B virtuels peuvent être organisés par nos soins le 29 et le 30 mars. Mesdames, messieurs, il me reste seulement vous dire merci beaucoup de votre participation. Merci à Madame Birkova, à Madame de Chamard, Monsieur Gérard, Monsieur Eloy, surtout à Lazare LB et son pôle franco-allemand pour le soutien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre participation et j'espère à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Merci à tous. Merci Alexandra. Merci à tous les orateurs. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.